En campagne pour la présidentielle de 2024, Donald Trump fait à nouveau controverse avec cette déclaration. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Les immigrants illégaux empoisonnent le sang de notre pays, dit l'ancien président lors d'un discours au New Hampshire. All over the world, they're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. Et lors d'un autre discours au Nevada, given the unprecedented millions of Biden illegal aliens who are invading our country. Il promet la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis s'il est réélu. La Maison-Blanche a dénoncé ses propos, les qualifiant d'incendiaires et de rhétorique fasciste, l'un de ses adversaires à la direction du Parti républicain aussi. It's not okay for an American president to be saying these things. Mais Chris Christie dénonce le silence des autres candidats et des républicains. Si ses discours plaisent certes à une base de supporters de Trump, pas certain que les républicains gagnent quand on fait ça et qu'on gagne quand on se refuse à le condamner ouvertement. Moi, je pense que Donald Trump ne peut pas espérer gagner l'élection 2024 en tenant ce genre de discours. Or, la sécurité des frontières est un réel problème non résolu pour le président américain Joe Biden. Des milliers de migrants traversent la frontière illégalement chaque jour, sans qu'on ne puisse effectuer toutes les vérifications adéquates. There can be very dangerous people coming for whatever nefarious reasons they're coming for. I don't want to take that chance. Un durcissement des mesures migratoires, c'est ce qu'exigent les républicains en échange de l'adoption d'une enveloppe de 61 milliards d'aide à l'Ukraine demandée par Joe Biden, un dossier qui traîne depuis des semaines. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.